Begin after eight taps. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Salut mes petits cadavres, bienvenue sur cette sixième vidéo. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil au livre du maître du savoir. En effet, j'ai obtenu mon petit symbole, donc je me suis fait mon petit livre à moi, je suis pas mécontent. D'ailleurs, à ce propos, je voulais faire un grand merci à un joueur qui s'appelle Eldoradan. Je cherchais un grand maître érudit pour me faire le journal, je ne connaissais aucun, et vous savez, c'est toujours un petit peu chelou de filer comme ça son symbole et ses fragments d'émeraude à n'importe qui. J'ai un peu angoissé en me disant pourvu qu'il revienne et qu'il me le rende. Et il est revenu et il me l'a rendu. Donc merci à lui et je lui fais une petite dédicace. Tu cherches un maître érudit sympa et disponible toute la journée? Tu en as marre de te faire braquer tes compos par des artisans peu scrupuleux? Envoie Eldoradan au 8-13-13. Écoutons plutôt la malheureuse histoire de cet aventurier. J'étais venu à Bray pour me faire crafter un bâton de maître du savoir, premier âge. Et je suis tombé sur un artisan, il m'a demandé mes compos, et je lui ai filé des PO, et puis il s'est déconnecté, j'ai plus jamais rien revu. Je suis ruiné. Pour éviter de te faire avoir comme une brêle, Eldoradan, un artisan de qualité. Alors pour cette vidéo, je vais vous passer le côté création que j'avais fait avec le bâton, c'est-à-dire que j'ai déjà passé les héritages et j'ai déjà obtenu les legs que je devais avoir. Je vais pas vouloir faire une deuxième fois, ça sert à rien. Vous allez voir que les pouvoirs d'office du livre que j'ai eu sont vraiment pas mauvais. Alors, il y a mieux, hein. Il y a mieux, mais ils sont vraiment pas dégueux. Et quand je vous dis pas dégueux, je vous mens pas, hein. Plus 4% de dégâts tactiques, c'est juste énorme. Moins 6 coups en puissance de savoir des maîtres du savoir. Alors, ok, c'est plutôt... C'est plutôt un pouvoir qui s'adresse au maître ancien, ce que je ne suis pas, mais bon, voilà, il est là, je le prends. Hein. Et bonus de soins classique pour un livre. Par contre, le plus 4% dégâts tactiques, je suis pas mécontent. Ça me booste mon DPS, mais enfin, de 4%, quoi. Au niveau des legs, c'est pas dégueu non plus. J'ai résistance de la cible aux compétences de dégâts. Ça tombe bien, m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse énormément. J'ai chance de critique de feu du magicien. Bah oui, tu m'étonnes que ça m'intéresse, hein, que je le spam quand même en boucle. Valeur de critique des compétences de feu, bien sûr c'est intéressant. Force d'affaiblissement de connaissances de feu, oui bien sûr, c'est, en fait c'est même le leg que j'ai récupéré de mon ancien livre 3ème âge pour le passer sur ce livre là. J'ai pas voulu courir le risque de pas l'avoir, il me le fallait absolument celui-là, sinon une bonne partie de mon build tombait à la flotte. Vous vous souvenez que j'ai été chercher connaissance du feu rang 3 dans l'arbre de talent maître ancien. Donc tant qu'à faire, autant avoir le leg qui le renforce. Et vous voyez qu'à la fin, j'ai un bonus volonté et un bonus vitalité. J'avais deux legs un petit peu pourris, cible d'éclat fatal et morale de créature apprivoisée dont je me cogne. Hein. Je préfère avoir du 149 volonté et 149 vitalité, ce qui me laisse une petite place pour l'indispensable leg augmentation des dégâts au fil du temps. Vous voyez qu'au final, sans mon livre, je ferais vachement moins de dégâts. Je vous avais dit lors de la vidéo sur le bâton qu'il fallait vraiment pas les négliger. Bah la preuve, vous avez vu tous les bonus qu'il y a, quoi. Si je jette un coup d'œil à ce qui existe et à ce que j'ai eu, je suis super content. On regarde. Alors, les legs majeurs. Pour commencer, critique des compétences de feu, je l'ai. Résistance, donc affaiblissement de la résistance au sort de dégâts, je l'ai. Critique de braise ardente, je l'ai. Durée des signes du pouvoir, je l'ai pas. Et il est intéressant, hein, et c'est pas dégueu de pouvoir augmenter la durée des signes qu'on balance, mais on peut pas tout avoir, et franchement, je préfère avoir d'autres que celui-là. Résistance, donc affaiblissement de la résistance aux dégâts de feu, et il est bien sûr qu'il est bien, mais à choisir entre tous les affaiblissements de résistance, je préfère l'affaiblissement de résistance dégâts. Au moins, il est valable pour tout. Affaiblissement de la résistance au debuff, ouais bah je m'en cogne on va dire. Chance de critique de feu du mage, bah voilà, je l'ai parce qu'il est bien. Ampleur de signal d'espoir,
Ok, ouais, le leg, super. On s'en fout complètement de signal d'espoir, c'est pas grave. Donc vous voyez que quand même, à part affaiblissement de la résistance au feu, sauf que mes emplacements sont déjà pleins, quoi. J'ai pas de trucs disponibles en plus. J'ai mis un cristal de souvenir sur le livre pour avoir un emplacement en plus. Il est déjà rempli, quoi. Mon livre est déjà plein. Et quand on regarde les legs mineurs, eh ben, dégâts de feu au fil du temps, je l'ai, il me le fallait absolument. Affaiblissement de connaissance du feu, je l'ai, il me le fallait absolument aussi. Cible d'artisanat ancien, v'là le leg que personne ne veut. Dégâts de test de volonté, bah, à part les maîtres du savoir, maîtres anciens, personne n'en veut. Guérison de feu intérieur, à part les maîtres du savoir, spébête, personne n'en veut. Augmentation du moral du pet, voir le commentaire plus haut. Cible d'éclat fatal, je pense que les maîtres du savoir se suscitent quand ils l'ont. Et réduction de la durée d'attaque du pet, bah, pareil, il faut être spébête pour en avoir envie. Donc vous voyez que globalement, j'ai les legs mineurs que je voulais. Et ça m'a permis de placer mon bonus volonté et mon bonus vitalité. Donc, j'ai un livre, excellent. Niveau rang, je vous avoue, ça pêche un peu. Si vous regardez bien, à grands coups de parchemin acheté à gauche, à droite, d'ailleurs j'en profite pour faire une petite correction à ce que j'avais dit sur la vidéo du bâton, il existe un troisième moyen d'obtenir les parchemins pour augmenter les niveaux de legs, marque et médaillon au camp d'escarmouche, pièce en argent d'Amroth, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je crois, ouais. Pièce d'argent d'Amroth que l'on a notamment en faisant les troupes de guerre tous les matins. Et en fait, au bout de 4 jours de farm, vous obtenez un parchemin grosso modo. Et la troisième, c'est avec les quêtes répétables qui vous donnent les jetons en or et les jetons en argent. De quoi d'ailleurs, je sais plus, il faut que je regarde dans mon inventaire. Jetons en argent et pièces et jetons en or, pardon, de Dol Amroth. Qui se mettent pas du tout dans votre porte-monnaie, hein, qui squattent votre inventaire, vous pouvez acheter des parchemins aussi aux vendeurs d'objets légendaires qui se trouvent dans la grande cour de Dol Amroth. Donc trois moyens d'obtenir les parchemins en dehors de la boutique. Ce qui vous permet, en farmant un petit peu les trois, de monter assez vite. Vous voyez sur mon objet légendaire, mon leg de résistance est rang 5, et bien. Mon leg de chance de critique de feu du magicien est rang 4. Il est en 4 ou en 3 ce con ? Il est en 3, ce qui est nul. Entendons-nous bien, hein. 4, ouais, 5, 6, ça va. En dessous, il faut à tout prix les faire monter, quoi. Donc, il se peut que mon prochain parchemin, il aille sur le livre pour le faire passer en 4. Valeur de critique des compétences de feu, il est en 6, il est au maximum. Affaiblissement de connaissances de feu, il est en 5. Volonté, vitalité, je les touche pas, ils sont en 4. C'est les seuls legs. Vous voyez d'ailleurs, ils sont niveau 1 toujours. Je les fais jamais monter. Jamais, 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 parce que vous claquez des points dedans et vous gagnez un point de carac. C'est-à-dire que là, je suis à 149 en volonté. Si je claque 6 points, je vais passer à 150. Ouais, ok, j'ai autre chose à faire avec mes points que les faire monter. Il faut juste les avoir niveau 1. Voilà, donc on peut les laisser rang 4, hein. C'est pas la peine de les faire passer rang 6, de toute façon, on met pas de points dedans. Et mon leg de dégâts de feu au fil du temps, il a chié, il est rang 3. Donc vous voyez qu'en perspective, j'ai quand même beaucoup de parchemins à aller acheter avant que mon livre soit relativement potable. Pas la peine non plus de les faire monter forcément rang 6. Le but, c'est qu'ils arrivent niveau 9. L'objectif, c'est que tous vos legs arrivent au niveau maximum. Peu importe s'ils sont rang 4, rang 5 ou rang 6, il faut que vous ayez claqué tous vos points d'objet et que tous vos legs soient au niveau maximum. Vous voyez que, par exemple, sur mon livre, résistance est niveau 9, chance de critique de feu du magicien est niveau 9, valeur de critique des compétences est niveau 9, force d'affaiblissement de connaissance du feu est niveau 5, mais c'est son niveau maximum, volonté vitalité, j'y touche pas, et dégâts de feu au fil du temps, il est niveau 8. Et ça me coûterait 90 points de le faire passer au niveau au-dessus. Au niveau au-dessus, il sera niveau 9, ça veut dire que l'intégralité de mes legs du livre seront à leur niveau maximum. Donc c'est pas la peine que j'aille craquer des perchos à faire monter les rangs de mes legs, je veux juste qu'ils soient tous au niveau maximum. Dans pas longtemps, je pense que quand j'aurai fait passer chance de critique de feu du magicien rang 5, donc deux parchemins, j'aurai économisé assez de points pour faire passer mes dégâts de feu au fil du temps niveau 9. Et du coup j'aurai pas besoin de le faire monter. A mon avis, en deux par show, je suis bon et mon livre y est terminé.
Si on prend mon bâton, vous voyez que j'ai bien bossé sur le bâton. Mes majeurs, ils sont en 6, tous. Et vous remarquez que le petit dernier, dégâts de base de tempête foudroyante, il est peut-être en 6, mais il est que niveau 7. Il me faut encore trouver des pare-chauds. Il faut encore que je monte mes legs parce que rien... Enfin, pas rien, mais tous mes legs sont pas au niveau maximum. Peu importe d'arriver au rang maximum, ce qu'il faut, c'est arriver au niveau maximum. C'est là qu'un objet est considéré comme terminé, quand son niveau est maximum, pas quand son rang est maximum. J'ai l'air d'insister un peu, mais je sais que cette histoire d'objet légendaire, c'est un peu nébuleux, c'est un peu complexe, et je veux vraiment que vous compreniez ça pour pas que vous claquiez des pare-chauds pour rien. Il faut vraiment les mettre au bon endroit et au bon moment. Voilà, mes petits cadavres, on a vu un petit peu ce que moi je vous conseille, avec mon build évidemment. Comprenez bien que si vous n'avez pas suivi mon build, par exemple, c'est pas la peine de vous esquinter à avoir l'amélioration de connaissance du feu, hein, il vaut mieux investir ailleurs. Et je peux pas passer en revue tous les builds et toutes les façons de combiner son livre. Je vous ai livré le mien, j'espère que ça vous aide un peu, que ça dégrossit un petit peu votre compréhension de la chose. J'en profite pour insister sur un petit détail qui a son importance. Il y a une différence entre la valeur de critique et l'ampleur de critique. La valeur de critique, vous allez faire des critiques plus souvent. L'ampleur de critique, vous n'allez pas faire des critiques plus souvent, mais les critiques que vous allez faire vont être plus conséquentes. Vous augmentez la valeur de dégâts ou vous augmentez la valeur de soins lors du critique. Donc, idéalement, il faut avoir les deux legs. Comme ça, je fais des critiques plus souvent, ils sont plus balèzes. Mais ne vous trompez pas, si vous avez quelque chose qui vous parle d'ampleur, ampleur de critique dévastateur, ça augmente la quantité de dégâts quand vous faites un critique dévastateur. Ça augmente pas les chances de faire un critique. Voilà, c'était un petit point que je voulais aborder. Et avant de vous laisser, je voulais quand même vous dire qu'il va y avoir une 7e vidéo. Et pour le coup, je vous promets, ça sera la dernière. Je vais parler des traits de vertu. Voilà, c'est important. Vous allez voir pourquoi c'est important. Ça va être une vidéo assez longue, puisqu'en fait, je vais parler de toutes les prouesses qu'il faut pour avoir les traits de vertu que j'ai mis dans mon build. Voilà. Avec les petites astuces, éventuellement, quand je les ai, les endroits sur les maps, je vais essayer d'être vraiment exhaustif et pas juste de vous balancer. Voilà les traits que j'ai mis, bonne journée. En attendant cette vidéo qui va être putainement chiante à faire, je le sens venir, ben je vous dis à ciao.